le coach du Congo ou moi. C'est vrai qu'à chaque Barcato, on se retrouve avec des joueurs qui sont là, qui sont plus là, donc il faut reformer des équipes. Donc, mais ce qui est bien, c'est que voilà, on a élargi le groupe, justement pour anticiper tout ça. Voilà, aujourd'hui, c'était un match, une très très bonne opposition. Une équipe joueuse, très costaud physiquement, qui nous a posé beaucoup de problèmes avec leur force offensive, beaucoup d'impact, beaucoup de poids. Et après, moi, je pense que pour les deux équipes, c'était une très bonne expérience, parce que c'est ce style de match qui va se passer à la Chan, de match de haut niveau. En tout cas, je félicite les joueurs parce que ça fait depuis le premier, le 31 mai, on est ensemble. Tout le monde travaille, surtout qu'ils sont en fin de saison. Ils ont enchaîné 2 années quasiment sans vacances. Donc, malgré la fatigue, ils étaient là à faire les efforts. Mais en tout cas, ouais, très content de ce style de match. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, le cœur du jeu était important. Donc, voilà, on va dire un peu plus automatique sur la deuxième équipe. Et on va dire une nouvelle équipe contre le Niger. Après, c'était deux styles de match différents. Oui, comme je l'ai dit, Niger, c'est voilà, faut respecter. Aujourd'hui, toutes les équipes africaines ont progressé tactiquement, surtout quand c'est un bloc bas. C'est très dur à trouver les espaces. Donc, on va dire que c'est facile à une équipe de défendre. Il suffit juste de l'agressivité, de l'envie, même si tu es limité techniquement. Et ils nous ont posé problème. Et aujourd'hui, on est tombé face à une équipe du Congo qui a ouvert le jeu, qui n'avait pas peur, voilà, qui nous a aussi permis, ça nous convenait, on va dire, ça nous convenait d'avoir ce style d'équipe parce que on était au niveau égal, c'est-à-dire on aimait deux équipes qui ouvrent le jeu, qui jouent entre les espaces, même si en face ils étaient très bien organisés, on avait du mal à trouver les espaces. Et on a eu la chance de marquer très vite, je pense que c'est ça qui a fait la différence.